One, two, three. Jimmy, pousse-toi. Excusez-moi, on peut avoir un peu de place dans cet ascenseur, s'il vous plaît. On va tous casser l'ascenseur là. Coucou le vlog. Coucou le vlog. Les loulous, ça y est, c'est le jour J, direction Santorini, Nini, Toutouni, en bikini. Nana et moi, on s'envole pour Santorin, là on est en route pour l'aéroport avec la petite poupée. Et notre chauffeur Cédric ici présent, toujours dans son sérieux, voilà, on le connaît comme ça, très, très sérieux, très charismatique, très, voilà. il est dans son rôle. Les loulous, c'est parti là, on est quel jour? On est mercredi, c'est parti pour Saint-Aurin jusqu'à dimanche, on part pas si longtemps que ça. Et heureusement, 4 jours qui seront assez expensifs déjà, et j'ai même pas reçu ma commande, les gars. J'ai même pas reçu ma commande, c'est très grave. Mais bon, ça va bien se passer, là c'est des vacances en mode vraiment détente, repos, j'ai fait aucun programme, je sais archi pas quelle activité on va faire quand on sera sur place. Juste détente, resto, plage, piscine et balade. C'est ça le thème de ces vacances. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous pour 4 jours à Santorin. Coucou le vlog, on est bien arrivé à l'aéroport de Santorini. On attend nos bagages. Normalement notre chauffeur nous attend dehors pour nous ramener à l'hôtel. Il fait chaud mais ça va. Tout se passe bien pour l'instant. RAS. On attend juste notre bagage en espérant que lui soit bien arrivé. Oh, il fait chaud ici. Comment tu vas? Hello. Welcome. Thank you. The restaurant is closed. Yes. This time. Yes. We have some food for you. Okay. I'll give it to you now. But yeah, the restaurant is closing at 11 o'clock. Okay. And the kitchen is even a little bit before. Go back, coffee. Okay. À la découverte de notre chambre. Tu fais attention les escaliers, Bibou. Thank you. Moi, je veux voir le jacuzzi et notre vue. Bien. Oh, il faut le remplir. Elle est grande la terrasse, c'est cool ça. Et on a une jolie vue. Waouh, nos piscines. Trop cool. Guys, je suis en train de crever de chaud. J'essaye de mettre la clim. Il a dit qu'il faut fermer toutes les fenêtres pour que ça marche. Ça, j'ai compris. Mais là, j'ai fermé toutes les fenêtres et ça ne fonctionne pas. Les gars, c'est bien. Les gars, c'est bien.
pour le vlog. Coucou le vlog, premier réveil à Saint-Aurin. Vas-y mon père. On sort du petit déjeuner. Ouais, petit déj, j'ai pas kiffé, mais à part ça, on a bien dormi. C'était fort, fort confortable. Bibou, elle m'a pas dérangée. Alors que d'habitude, j'aime pas dormir avec elle. Soleil. Bah du coup, j'en profite, je vous montre. Et ça, c'est le jacuzzi qu'on va remplir tout de suite. Moi, j'ai le rempli parce que j'ai oublié ça. Ça sera mieux quand il y a la piscine. C'est parti. Regarde, elle va aller. Tu veux y aller toute seule? Vas-y, essaye. Que je vois si je peux te faire confiance quand je suis dans la maison. Ouais. C'est bien. Ok, you got it. C'est bien, mon bébé. Les gars, du coup, on a quitté le jacuzzi pour la piscine. C'est clairement le thème, c'est vraiment ça le programme des vacances. Tout à l'heure, je pense qu'on ira se balader. Je pense qu'on ira au coucher de soleil. Parce que c'est quand même un truc à faire, même si ça va être full de monde et que ça va me saouler. C'est un truc à faire et ça nous fera la balade du jour. Je sais pas si on va y aller tôt ou je sais pas comment on va faire parce qu'il y a un transport qui nous emmène de l'hôtel. Et tu manges un bonbon ou est-ce que t'as trouvé un bonbon? Mais où est-ce que t'as trouvé un bonbon toi? Où est-ce que t'as trouvé un bonbon? C'est quoi que tu manges? Ah, c'était ton truc. C'est sucre. C'était ton bracelet. Mais là, t'as fait une balle. Alors les gars, pour le repas de midi, moi j'ai pris des crevettes avec des petits pains pita au citron et il y a des poivrons et une petite pizza, jambon pour Naya. Souffle avec moi pour que ce soit plus fort. Assieds-toi mon bébé. Allez, chaud un peu. Coucou le vlog, on est fin prête. Est-ce qu'on prend le produit anti-moustique? Oui, parce qu'on ne sait jamais. On prend aussi un peu de gloss. Et c'est parti. Est-ce qu'on prend un chapeau? Oh, comment ça fait tourist gang. Mais c'est stylé. Les gars, le temps que je décide si je mets mon joli chapeau ou pas, le taxi est parti sans nous. Thank you. Oui. Le taxi est parti sans nous, du coup là j'attends la personne de la réception pour me dire s'il y en a un autre ou si je vais devoir en prendre un moi-même. Tu vas en prendre un. Genre ils ont le numéro de ma chambre, pourquoi vous m'appelez pas pour me dire go? Et en plus je suis arrivée à 30 piles et le mec il partait, je sais pas. Matching outfit of the day. Moi j'ai mis ma petite robe Amazon et elle sa petite robe Zara. Le chapeau Amazon aussi, le sac c'est un petit Shein. And ben, ready. Moi, par contre, faut qu'il m'explique pourquoi le truc il est parti sans nous. J'aime bien qu'on se dépêche un petit peu. Ouh, prétentieuse. Du coup c'est bon les gars, ils ont appelé quelqu'un d'autre la direction le coucher de soleil. J'ai peur qu'il y ait vraiment vraiment trop de monde comme, comme sur Insta, comme sur TikTok, comme on voit partout. On verra. De toute façon l'essentiel c'est qu'on voit le coucher de soleil, pas vrai? Et après on fait quoi? Et ben, on va quoi? On va aller ok, on pourrait faire un petit restaurant quand même avant. Ouais, on va faire un restaurant. Waouh, c'est beau. Ouais. Alors là les gars, je crois qu'on est arrivé sur le passage, là où tout se passe. À mon avis, on va suivre tout le monde et aller par là. On a vraiment trop les mêmes goûts, on s'est arrêté sur le même stand. Tu veux lequel, Bibou? Rose, tu m'étonnes.
On est de retour à la maison. Et en plus, c'est le souffle dans la chambre. Les gars, on vient de rentrer, on est parti voir le coucher de soleil à Oya. Finalement, on n'est pas resté jusqu'au coucher du soleil parce qu'il y a une dame ici qui ne voulait pas patienter. Ensuite, on a mangé dans un petit resto comme ça. Pas le choix. C'est que tu es obligée. Et du coup, ouais, on a mangé dans un petit resto, on est rentré. Franchement, je suis assez fatiguée. But, déterminée à avoir le plus de paysages à balader sur cette jolie île. So, ouais, je vais voir si je peux faire des photos. On se repose demain. Réveil à. Non, réveil à quelle heure demain? 9h30. Je vais me réveiller à 11h. Tu veux pas que je te réveille? Demain, je te réveille pas alors. Je te réveille? On verra. J'essaye de te réveiller. Si t'es fatiguée, je te laisse dormir pour qu'on se prépare et qu'on aille à Fira. Je vais essayer de regarder quand même sur TikTok et tout, voir ce qu'il y a à faire à Fira et faire un truc un peu plus organisé parce qu'aujourd'hui on était en freestyle. Après, c'était le premier jour. Donc tranquille. Mais il faut qu'on fasse un petit peu d'activité et tout quand même. Ça serait sympa. Préparer, tu m'appelles quand t'es prête. Non. Bah si. Et non. Tu me ramènes un petit déjeuner, s'il te plaît. Quoi? Aya, elle est belle, elle est encore plus belle en vrai. On est prête, c'est parti, on file à la playa et on va aller manger aussi parce qu'on n'a pas mangé encore ce matin. Je l'adore ce chapeau, mais il me va petit. Je le prends pas. Je veux l'essayer? Il va être trop grand, tiens, essaye. Il est beaucoup trop grand pour toi, mais j'ai ton bob. Les loups. Oh, good job. Merci. Comment on dit en anglais? Thank you. You're welcome. C'est gentil. Ok, thank you. Regardez, Naya qui a eu une sucette en live. Parce qu'apparemment, il a dit qu'il a senti que tu allais être une gentille fille aujourd'hui. C'est vrai? Très bien. Et Loulou, on attend le taxi pour aller à Camari, à la plage. L'objectif du jour, c'est plage. Découvrir les plages de l'île. Au moins une, au moins Camari. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Et puis c'est tout. Resto plage. Et balade. Pourquoi c'est plage? Et on essaye d'appeler Daddy. Bah, tu réponds pas. Hello. Hello, how are you? Fine, thank you. On y va, bibou? Let's go. The right side. Ok. Hello. On a le truc taxi qui est là, viens par là bébé. Right. Tac, tac, tac. Oh, c'est joli. Hein? Yes, yes. Camari Beach, right? Yes. If you have any spots that we can go to eat and to swim, you can tell me. Any what? Spot, place. Ah, recommendation. Yes, yes, yes. Les gars, j'ai demandé un taxi à la réception pour aller à Camari. Ils m'ont dit 30 balles. Je me disais, mais c'est un peu excessif. Il me semblait que c'était pas trop rush ici. Et frère, ils nous ont ramené un van. Même pas un minivan, c'est un van. Aya, t'aimes trop le luxe? J'aime bien la sucette aussi, même si elle est à la framboise. On est arrivé à Camari, ça fait du bien de voir un peu de vie parce que vers notre hôtel, il n'y a absolument rien. On va marcher par là-bas et trouver un resto. C'est parti mon bébé. Ok, il y a des restos tout le long, ça va être cool.
Vincent, il va monter quand même en Inde. On achètera après bébé, là on va chercher à manger déjà. Oui, mais après la petite place, c'est vous. Café, bar. Ok, il y a plein de restos, je pense qu'il faut qu'on se pose sur un resto et qu'on prenne un transat directement. C'est bon mais c'est chaud. Naya a aimé la moussaka. On a une moussaka ici et feta au four ici. Vous savez que la vie c'est pas comme on veut, c'est tout ça. Mademoiselle. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Comment allez-vous? Bien. C'est fascinant, les gens ils ont ça à foutre que de me regarder, c'est incroyable. How much did you sell this one? You like, you want West Beach? West Beach. Where are you from? No, from Ghana. Ghana? I meet a lot of people from Ghana. From Congo. Oh, from okay. From Guinea Bissau, from Black. I don't see a lot of black people here. I don't like the necklace, eh? Necklace. La journée n'est pas terminée. Là, on est dans la voiture, on rentre à l'hôtel, on prend une douche, on se repose. La maison du docteur. Ah, ok. La pharmacie, tu veux dire? Oui, la pharmacie. Ok. On a passé une super journée, hein? Oui, mais elle n'est pas terminée. Mais elle n'est pas terminée. Je suis une gosse. On va faire une petite douche. Là, j'ai fait des photos. Et là, regardez. Et ben moi, je lave mes cailloux tout. Naya, là, ces cailloux qu'elle a ramené de la plage. J'ai enlevé mes petites tresses, là, ça faisait un petit truc wavy, c'était super joli. Du coup, j'en ai profité, j'en ai fait des photos. Enfin, j'ai fait des photos. Then, là, on va prendre une petite douche, je me démaquille pas. Je me décoiffe pas, je vais laver mes cheveux, mais je vais les laver demain. Je les laisse bien rester crados jusqu'à la fin. Et on va aller au resto. Et je vais essayer de faire des photos encore. Et ben. On va prendre l'iPad comme ça, Naya elle regardera un truc le temps que je fasse mes photos. Sinon, elle va péter un plomb. Maman, c'est plus l'iPad, maman. Ouais, ça va le faire. J'ai mis cette petite robe que j'avais mis une fois à Paris. Que j'avais mis à Paris une fois, mais sans succès. Enfin, sans succès. Genre, je l'avais pas renta. Qu'est-ce qu'il y a, Libou? C'est le roux.
Regardez pourquoi je fais jamais de photos Insta. Regardez comment c'est chiant. Là, j'ai dû me préparer, mettre des talons, alors qu'il n'y a vraiment pas de raison de mettre des talons. Je mange à l'hôtel. L'enfant a même le sol avec l'iPad et moi avec ma lumière trépied. Heureusement qu'il n'y a personne dans les parages et que j'ai trouvé un spot sympa. Du coup, on va shooter ici. Là, j'ai ma petite lumière, mon trépied, ma DA ici. And here is the spot. C'est vraiment beau le soir. J'étais supposée être en date, mais mon date l'a invité. Comme j'en ai marre de prendre des plats et que Naya ne les mange pas, maintenant on prend un plat pour deux. Tu t'assois, Bibou? Naya, je vais te répéter une dernière fois, assieds-toi et mange. Tu t'assois à ta place, tu manges, quand tu auras fini de manger, tu te lèveras et tu pourras jouer. Mais je mange au moins quoi, tout ce qui est vers moi, tout ce qui est pas vers moi. Tout ce qui est là. Tout ce qui est pas là. Tout ce qui est dans ton assiette, tu manges. Ça? Non, moi mon assiette il est là. T'as vu, ça fait beaucoup hein. Et lui, ben, j'aime pas trop quand il est comme ça. Mange, c'est une aubergine. C'est très bon. Contre-vlog. Sabine, moi je trouve ça incroyable. Coucou le vlog, on a bien dormi. Un nouveau jour se lève sur Santorini. Et là, aujourd'hui, je suis en train de regarder quelle activité on va faire demain. Parce que demain, on part à... Faut que je vérifie, je vous jure, je panique. Parce qu'on a un vol dans la nuit. Donc, faut pas que je me trompe de nuit, en fait. Let me see. Volotez à votre vol. Bon dia, mon dia personnel. Matching outfits of the day. Come on, baby. Come on, baby. Show me your outfits. Yo, so cute. Un petit tour. Wow. Wonderful. Coucou mes choux, est-ce que vous avez vu notre matching outfit of the day? Du coup aujourd'hui c'est direction Fira, on a demandé au transport de l'hôtel de nous emmener parce que ça va, payer 60 balles pour un trajet, ça va aller 2 minutes. So let's go to Fira. T'as pas tes lunettes? Hello, t'as dit bonjour? Tu dis hello. 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 Thank you. Hop là. Ouh, c'est chaud. C'est même qu'on a c'est fait parti. La dernière fois. Oui. Du coup, mes beautés, à chaque fois que j'ai essayé de vous parler, ça a coupé. Mais je vous disais ce matin que j'ai booké une activité pour toute l'après-midi demain. On va faire une espèce de croisière sur un bateau, voir un petit peu les plages principales de l'île, faire un joli coucher de soleil depuis le bateau. Ça sera le top, ça va être trop beau. Et tout ça pour 240 balles. 240 euros, je crois que c'est en fait. Je trouve ça excessif. Hein. Franchement, je trouve que c'est rush quand même ici. C'est rush. Et je sais pas, sans raison, je sais pas, on verra. Quand je compare avec le Mexique, en fait, je me dis, mais c'est expensive en fait. Et là, du coup, au dernier moment, mon cerveau il a fait tilt et je me suis souvenu qu'ils avaient un transport pour aller à Fira en après-midi. Et du coup, on va pouvoir voir le coucher de soleil là-bas ce soir, passer la journée là-bas, se balader. Je ne sais pas s'il y aura des coins pour se baigner là-bas par contre. J'espère, ça serait bien. Je vais demander au chauffeur. Et en tout cas, aujourd'hui, encore une journée détente, encore une journée balade avec Bébé Star.
Elle est trop belle ta combinaison, Zara, j'adore. Merci maman. De rien ma vie. C'est parti. Comme je suis une Yankee, dès qu'il y a un racoleur qui vient me voir pour un resto, j'y vais. Hein, parce que bon, je vous l'ai dit, je suis une Yankee. Du coup, on va manger ici. Joy. Thank you. Les gars, on commence à s'enfoncer dans les rues à la recherche de la plage. Je vais demander parce que là, je suis à vous, mais j'ai la flemme de parler avec les gens là. C'est reparti. Les gars, on est complètement en train de faire de la randonnée là. Depuis tout à l'heure, on marche tout ça. Vous vous rendez pas compte, mais c'est tout en pente. But, look at the view. T'as vu comme on ira de ces maisons? Je suis morte. Et il faut qu'on escalade tout ça parce que Naya veut faire du téléphérique là. Les gars, après notre longue randonnée, on est arrivé au truc de téléphérique là, mais il y a archi la queue. Et c'est mort, je fais pas ça de queue. Je sais pas, il y en a pour combien de temps. Genre, si c'est une demi-heure encore, ça peut le faire, mais là, ça, il y en a au moins pour une heure. Les gars, je vous jure, il y a tellement rien à faire sur cette île que t'es mal à queue. C'est mal à queue. Les gars, je viens de commander un taxi pour qu'on rentre à la maison. Parce que le van de l'hôtel, il vient nous chercher à 20h, il est 18h, je vais clairement pas attendre 2h. Je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer. Louer une voiture. Louer une voiture parce que chaque transport ici coûte 30€, juste pour l'aller. Donc tu comptes 60€ pour l'aller-retour minimum. C'est hyper expensive, alors que je suis à 10 minutes de mon hôtel. Hein. Tout est hyper proche. Mais ça coûte super cher, c'est un truc de fou. Combien de temps pour que je gagne un cas plus? Relais choupinou, j'étais en train de faire des photos Insta, je ne vous les montre pas parce que je pense que je vais les poster. Je pense qu'il y en a des potables. Ouais, très sympathique. Et là, j'ai envie de prendre une douche, j'ai envie de me démaquiller, mais je ne vais pas le faire. Je vais prendre une douche, voir ce que je peux faire dans mes cheveux, essayer de me coiffer un poil. Et ensuite, on va aller manger au resto de l'hôtel. Avant, je vais essayer de faire des photos encore. Le thème, c'est rentabiliser, en fait. Le thème, c'est rentabiliser. Là, j'ai au moins 1, 2, 3 posts. Ça fait 4, comme si j'avais fait une photo par jour. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, je vous jure, c'est pas mal. Venant de moi, inactive sur Insta. Not that bad. Allez go, se préparer ce thème. Ce soir le thème c'est blue. Ce soir on s'habille en bleu. Blue. You wanna dress in blue? That's what we're gonna do today.
Comment je m'habille demain? Est-ce que j'ai des tenues pour la journée bateau là? Pour la journée bateau, j'ai un petit short, ça, mais c'est un ensemble short et débardeur, ça pourrait être sympa. Ouais, je vais mettre ça avec mon maillot de bain tricoté. C'est en matière laine, mais bon, c'est court, donc ça va faire. On met ça demain. C'est parti. Date night dinner. Tout plein d'avions ici. Oui, mais c'est normal parce qu'on est juste à côté de l'aéroport. L'aéroport. Regarde la lune. Elle est belle. Elle s'illumine. Me voilà seule. Naya m'a abandonnée pour Margarita, le chat de l'hôtel. Oh, Margarita est là. Naya ne devrait pas tarder. La voilà. Par contre, Bibou, tu peux pas le suivre partout où il va. Hein. Papa pidou pipou. Thank you. You're welcome. Mais on doit faire Tintin avant de boire. Bon, tu tiens bien ton verre? Dans les yeux. Franchement, je peux dire et confirmer que la nourriture dans cet hôtel est très bonne, non? Ah bah, moi, je me passe. Maman, ça a la bonne là, le chat a pas fait ça. Ça a la plante là. Et si je fais pas dans un chien? Garita, arrête de monter sur la table. Viens, tiens. Ah, tu veux plus? Non, Margarita, pas sur la table. Pas sur la table. Quand même, un peu de tenue, un peu de manière. Tiens, le fromage, il est trop gros. T'y vas, toi. Tiens, il est plus petit celui-là, tu peux le manger, croque. Bah, croque-le. Je peux pas te donner de la viande. Du citron, je pense pas que ça te plaise. Encore un bout de fromage. Margarita, arrête de monter sur la table. Tu descends. Ah, tu veux plus? Plus de fromage? Très bien. Ainsi soit-il. S'il était 6h du matin, je me suis forcée de ouf à me lever là, faut qu'on me prépare, faut que je m'en de rire, faut que je prépare les bâtiments. Mon réveil a failli réveiller bébé Star, faut que je prépare les valises pour partir. Aujourd'hui c'est le dernier jour, on part d'ici à 23h59, le check-out est à 11h comme je vous ai expliqué hier. Du coup, là, je fais les valises dans le bagage à main. Je mets nos affaires pour la journée. Genre vêtements de rechange, culottes et tout. De quoi prendre une petite douche, peut-être, si on peut. Et puis, c'est tout. 11h, on fait le check-out. On se pose à la piscine en attendant midi. Midi, on mange un petit peu au resto de l'hôtel. 14h, il y a les gens du bateau qui viennent nous chercher. Le bateau, c'est jusqu'à 20h. Après, on revient ici. On prend nos bagages qu'on laissera à la conciergerie. Après, on file à l'aéroport. Ça devrait bien se passer. Et c'est parti pour le départ.
surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir. On met un peu de musique ambiancée. On vient de faire le check-out et ça va, franchement je pensais que ces histoires de signature là où tu signes, tu ralasses qu'à la fin, ça allait avoir ma peau, mais j'ai payé 152 balles pour les cocktails que j'ai pris, les petits restos qu'on a fait dans l'hôtel et tout, donc ça va, franchement je m'attendais à 300 balles. Là on va pouvoir mettre du beurre dans les pâtes et du fromage râpé, je pense on aura encore les moyens de s'offrir ça. Bon appétit! Moi j'ai pris une salade grecque. Miam! Je dirais trop Mamina. Qui? Toi. Au revoir Santorini. Back to the street. Back to the street. Back to the Conchita life. Bon dia les loulous. Bon dia. On est de retour à la maison. Je parle doucement parce que je viens de coucher Naya. Hier, on est arrivé à Lyon à 2h du matin. Ma cousine, elle est venue nous chercher. On est rentré, on a fait dodo ce matin. Réveil, vous connaissez votre go ménage. On a tout remis à 9. Là, j'ai déj Naya à la sieste pour qu'elle se repose un peu. Moi, je vais bosser, préparer mes petits contenus Santorini-Nini. C'était cool, franchement, c'était cool. Surtout le dernier jour, là, la journée catamaran, vraiment la belle journée, c'était trop bien. Je vais vous remettre toutes les infos, les,
la compagnie avec laquelle j'ai fait le catamaran. Le prix dans la description. Je vais vous mettre l'hôtel, etc. Je vous mets toutes les infos dans la description, comme ça vous aurez les infos. Je vais vous donner aussi quelques spots, parce que hier, l'endroit où on a fait le catamaran, c'était super beau. Et il faut absolument passer une journée là-bas. Franchement, il y avait des spots super sympas. Et puis globalement, franchement, on a passé un bon petit séjour. Au début, je vous avoue, les deux premiers jours, c'était chaud parce que le mioche avait un comportement. Je vais pas dire exécrable, mais c'était pas fastoche. En plus, moi, dans ma tête, ça allait pas trop non plus. Donc, c'était tendu. Il y avait des tensions dans la villa. Mais après, les deux derniers jours, c'était super bien. On a bien profité. Ça m'a bien reposé. Franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça tombait à pic, ça m'a fait du bien. Là, je reviens en mode peace and work. Le boulot. Surtout que dans un mois, on repart en Amérique latine. Les gars, j'ai trop hâte. En septembre, je pars avec ma cousine Lucia, justement, en Amérique latine. J'ai trop hâte de vous partager ça aussi. Mais chaque chose en son temps. Mon avis global sur Santorin. C'est beau, c'est cool, il y a plein de restos, mais je sais pas, je m'attendais à plus. Genre, une fois que t'as fait le sunset, que t'as fait Oia, Fira, machin, pour les vues panoramiques, je trouve que c'est pas... C'est des vacances, je sais pas comment dire. C'est comme si tu faisais des vacances dans le sud de la France, genre soleil, plage, resto. Et puis, il n'y a rien de folichon à faire. Après, moi, j'étais avec Naya, donc j'avais pas un milliard de possibilités non plus, tu sais, faire des nights ou je ne sais quoi. Mais c'est pas, je sais pas, je m'attendais à plus, en fait. Je m'attendais à plus d'émerveillement. Mais ça reste quand même une jolie destination. C'était cool. Mais expensif. Je trouve que c'est quand même pas mal cher. L'hôtel, par exemple, j'ai payé 1000 euros pour les 4 jours. C'était un joli hôtel, il y avait un bon service, le resto était bon et tout, mais je sais pas, pour 1000 balles, ça manquait d'un petit quelque chose quand même. Surtout que c'était pas le meilleur emplacement, quoi. Mais après ça, les hôtels, vous en avez 1 milliard sur l'île, donc vous avez largement le choix. Tout dépend de votre budget. Je vous remets de toute façon toutes ces infos un petit peu générales dans la description, mes petits loups, je vous attends en commentaire. Comme d'habitude. Si vous avez des questions sur le voyage, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Moi, je vais aller me reposer un peu, bosser un petit peu, reprendre la routine. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, mes beautés, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous d'amour.